Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintée qui présente quotidiennement la course du Quintée du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi tous les commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce vendredi 26 février 2021, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix de Pont-l'Évêque, première course de la Réunion 1, où 16 trotteurs âgés de 5 ans en découdront aux alentours de 13h50. Ce joli tournoi parisien, non européen, s'adressant uniquement à des concurrents dont le nom commence par la lettre G, se disputera sur le parcours classique des 2700 mètres de la grande piste. Il n'y a pas de grands favoris se détachant avant coup, et c'est pourquoi il ne faudra pas hésiter à élargir ses combinaisons. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintée. En première position, nous retenons le numéro 14, Gaylord Jaff. Il découvre de très belles conditions de course aujourd'hui. S'entendant merveilleusement bien avec Franck Nivard, sa place est dans les 3 premiers. En deuxième choix, le numéro 11, Gaymatin. Il est d'une grande régularité et a pour lui de toujours donner son maximum. S'il est dans un grand jour, avec Eric Raffin aux commandes, il peut renouer avec le succès aujourd'hui. En troisième choix, retrouvons le numéro 6, Gigolo du Noyer. Il est une véritable rente pour son entourage puisque termine pratiquement toujours à l'arrivée des courses auxquelles il participe. Si Johan Le Bourgeois, son pilote, n'est pas trop chaud durant le parcours, il doit alors conclure dans le Quintet Plus. En quatrième position viendra le numéro 13, Génial au Fort. Il a beaucoup de qualité et assurément la pointure d'un tel lot. Une fois encore, la casaque de la famille Bigeon pourrait briller. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 10, Jinko Tellois. Il compte 2 succès sur ses 3 derniers essais tout de même. Franck Leblanc étant très adroit, attention à lui aujourd'hui. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 5, Général de Loiron. L'entourage, et en particulier Franck Leblanc, doublement armé donc, ne fait pas appel au service de Jean-Michel Bazir, lauréat de 20 sulky d'or tout de même, sans raison. En avant-dernier choix, le numéro 7, Gershwin Deves. Il a les qualités suffisantes pour réaliser une très grande performance en se présentant déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 16, Gossip Boy. Il n'est pas le plus riche de l'épreuve sans raison et va tenter de le prouver sur la piste en terminant dans le Quintet Plus. En cas de non partant, le numéro 8, Grande Soirée, en très belle forme actuellement, introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1€ sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, mercredi, Top Prono indiquait dans sa sélection couplée le couplet gagnant 12 As faisant tout de même plus de 193€. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations sur l'abonnement VIP, pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP turf-fr.com.